Bon bah Michelet m'a oublié là, une bague qui fait que le zoom est mort, le zoom n'existe plus. Donc il n'y aura que de la photo en 28 et de la vidéo pareil. Cadre enchanteur. Nous sommes ici dans le jardin des oiseaux. C'est marqué sur la pancarte là, Michel. Tu sais, jardin des le oiseaux. Crétin regarde le doigt quand on manque quelque chose. Non, la lune. Mais là, en l'occurrence, j'aurai ton doigt. Ah bah, toi, sur le mur, il y a marqué. Mais il y a là-bas la lune sur le mur. Le jardin des oiseaux. Ouais, mais j'ai pas de zoom alors. Enfin, c'est beau. Magnifique. Et cette église. D'où Jésus. Et donc là-bas, il y a le barbecue qui va probablement être utilisé par les quatre compères. Ah, une grosse bûche. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un cep de vigne. Assurément. Cep de vigne. Ou dans le langage occitan, on nous appelle ça un suki. C'est japonais ça, suki? Oui, mais non, ils appellent ça des suki. Fichtre. Avec Frédéric P, il y a toujours des leçons de choses. Eh oui, mais... Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais on est dans le coin où je suis toujours venu. Je suis venu déjà depuis tout petit, alors... Tu n'as pas à te justifier. Regarde, et ça, ça c'est un laurier sauce. Donc ici, tu n'as pas de suki. De suki. C'était laborieux, mais... C'est un jeu de mots. T'as vu ce laurier de sauce, quand même, il est immense. Alors ça, c'est un... Un souki en... En occitan. Ça vient des vignes, et c'est très bon pour le barbecue. Ça donne un goût à la viande. Ouais, tout à fait. C'est bien de le rajouter. Ça, c'est un laurier sauce. Mais cela ne nous regarde pas. Où est le petit, là? Que nous allions au café. On s'est tenté un coup. Ouais. Est-ce qu'il sent bon en plus? Ça sent pas le laurier. Ça sent pas le laurier. On dirait du laurier blanc. C'est une plante très toxique, le laurier. Oui, il faut se laver les mains à chaque fois. On en met dans les... C'est pas le même. C'est pas le même. Dans les sauces. Non, il est derrière toi, le laurier sauce. Ça, c'est le laurier dans l'augmentation, dans le mans. Bon, on va peut-être s'arrêter parce que franchement, ça sert pas à grand-chose.